Sakhir, Azul, pour tout le monde. Mesdames et messieurs, chers camarades et amis, bonsoir. Au nom du comité préparatoire du Forum des droits de l'homme au nord du Maroc et l'Europe, en Belgique, nous vous remercions pour votre présence et nous saluons nos camarades, les membres de la coordination européenne, présents avec nous dans cette salle. Chers amis, nous avons l'honneur d'accueillir dans ce débat sur le RIF Migration et Développement le Dr Abdelhak Tedmouri, qui est coordinateur du Forum des droits de l'homme au nord du Maroc, Tamim Mounsaidi Ishmins Shkarpekwaz, de l'intégration sociale et de la prévention et de la solidarité, qui est aussi membre d'ICOLO, Fawzia Tahawi, ancienne députée, ancienne sénatrice et conseillère municipale actuellement à Anvers et co-coordinatrice de l'Institut pour les études marocaines et méditerranéennes. Bien sûr, nous avons invité aussi notre ami Hassan Bousta pour participer avec nous dans ce débat. Mais malheureusement, hier, à 14h08 exactement, j'ai reçu un appel de son cabinet. Il s'excuse parce qu'il m'a dit, texto, il est allé dans une mission d'urgence à Barcelone. Donc, franchement, c'était un peu inquiétant parce que la dernière minute, il m'informe qu'il ne vient pas à ce débat. Mais, puisque nous avons trois intervenants, et ceux qui sont très connus, je crois que notre débat va être intéressant cette soirée. Chers amis, le débat de cette soirée sur le RIF Migration et Développement vient dans le cadre de la dynamique que connaît le Maroc actuellement, dirigée par le mouvement des jeunes de 20 février, qui lutte pour réaliser les changements politiques et constitutionnels profonds. Il vient aussi après la grande réussite qu'a connu notre congrès, le premier congrès d'Al-Muntada, Muntada Shemal Hakouf l'Insan, Shemal Marib, qui est tenu à la ville de Chaoun le 22, 23, 24 avril passé, avec toute la dynamique qu'il a créée au niveau régional, au niveau local, régional et européen. À travers ce débat, la coordination européenne des droits de l'homme au nord du Maroc voulait contribuer à sa manière au débat qui existe actuellement, qui existe déjà au Maroc, sur l'avenir non pas seulement de RIF, de la région de RIF, de Grand RIF, mais aussi de toutes les régions du Maroc, que nous souhaitons le voir bientôt, un Maroc démocratique, uni, fort, avec ses diverses régions, et riche avec ses cultures, ses langues, qui préserve une diversité culturelle et linguistique et qui reflète vraiment la réalité marocaine. Nous appelons que lors de notre premier congrès à Chaoun, que le forum a tenu son congrès avec un mot d'ordre et un slogan pour une constitution démocratique basée sur les régions historiques qui garantit les droits culturels, linguistiques, sociaux et économiques. Al-Muntada, donc le forum, veut revoir le passé rifain et partager la mémoire des rifains qui est bien ancrée dans la population locale et les immigrés qui sont issus de cette région, qui est ancrée dans l'âme et le sang, bien sûr, malgré que le Marzen a essayé avec tous les moyens de marginaliser cette région chère de notre pays. Comme vous le savez, Hassan II reconnaît dans son discours de janvier 1984 qu'elle a été responsable de la vague de répression qui a subi les Rifains lorsqu'il était encore prince, en disant « Ceux du nord du Maroc, les Rifains, ils me connaissent et je l'ai connu depuis en 1958-1959.
en faisant signe à la répression cinglante et aveugle du régime central contre la population Rifa, tout en accusant la population du nord du Maroc, les Rifa, les Ouesh, les Attaches. Chers amis, nous, militants du Forum des droits de l'homme au nord du Maroc et en Europe, nous nous engageons à lutter avec vous et avec toutes les forces démocratiques pour un Maroc démocratique, fédéral et uni, et d'associer nos efforts aux démocrates en Belgique et au Maroc et partout dans le monde, comme le voulait notre leader Abdelkrim Khattabi, pour mener des luttes en vue de soutenir et gagner le combat pour un Maroc démocratique fondé sur le respect des droits de l'homme, la promotion de la loi et de la justice, une citoyenneté des Marocains à l'étranger et au Maroc, la lutte contre la montée d'extrême droite et du racisme et contre tout discours qui attise les haines. Le forum, qui se veut un espace de dialogue, d'échange, d'expérience et qui vise à promouvoir la démocratie participative, la dignité, le respect de l'autre, il exprime aussi la volonté des RIFA et des démocrates de défendre un projet social porteur des valeurs d'égalité entre hommes et femmes, le respect de la diversité culturelle, religieuse, philosophique et politique, ainsi les valeurs de la solidarité, de la tolérance et de respect des droits fondamentaux des droits humains. Avant de terminer, mes chers amis et camarades, nous rendons hommage à Abdelkrim, à Mzian et à tous les martyrs de la démocratie et de la dignité et de la liberté au RIF, au Maroc, au Maghreb, au monde arabe et partout dans le monde. À travers ce débat de ce soir, nous espérons dénicher quelques réponses à vos questions, à nos questions qui nous interpellent tous. Je vous remercie pour votre présence et je cède la parole tout de suite à Madame Palhaoui Fouzia, comme j'ai dit avant, donc qui est ex-sénatrice et députée et coordinatrice des études d'un centre des études marocaines et méditerranéennes. Mais je lui cède la parole pour qu'elle se présente un peu plus par rapport à son engagement politique et son engagement au niveau du débat ici en Belgique, surtout en Flandre. Merci. À toi la parole, Fouzia. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde peut m'écouter? Ça va. Je m'appelle Fouzia Talaoui. Je viens de la Flandre, comme vous allez constater. Alors, le français, c'est ma deuxième ou troisième langue. Au Maroc, je suis née au Maroc, plutôt à Melilla, en tant que mes parents viennent de Beni Touzine, Nijar Mawas. Le grand-père a fait quand même une migration vers Melilla parce qu'il travaillait dans le port de Bnessa dans le temps. Et c'est là où les petits enfants sont nés. Et en 1978, mon père nous a emmenés en Belgique. Autant que lui, il a été en Belgique déjà depuis 1965, d'après la première... en 1966, quand il a reçu un contrat de l'État belge pour travailler ici à Bruxelles dans le métro. Quand il parle du passé, il dit toujours que c'est grâce à lui et aux autres que le métro marche à Bruxelles. Bon, j'ai fait toute mon école primaire et secondaire à Anvers, parce que c'est là où j'habite. Et puis j'ai fait mon droit à l'université d'Anvers. Et après mes études, j'avais la chance ou les bons points pour rester comme assistant professeur dans la recherche.
Et là, je me suis surtout concentrée sur le droit international, spécialisation, protection des droits de l'homme, le thème d'aujourd'hui aussi. Puis je me suis engagée en 99 pour la première fois en politique. J'étais élue au Parlement comme députée à la Chambre des représentants. En 2003, je suis devenue sénatrice au Parlement belge. En 2006, on s'est battu à Anvers contre l'extrême droite avec le SPA où je siège au conseil communal. Et entre-temps, je suis aussi co-coordinatrice de l'Institut pour les études marocaines et méditerranéennes à l'Université d'Anvers. Et c'est sur cet engagement-là que je vais parler aujourd'hui, surtout parce que je me suis concentrée sur le titre « RIF, migration et développement ». Et c'est justement ça qu'on fait avec notre institut à Anvers. Pour commencer dès le début, pourquoi l'Université d'Anvers s'est intéressée au Maroc ? Parce que dans le temps, il y a la fondation universitaire qui aidait les pays en voie de développement. Et au début, parce que c'était des jésuites à Anvers, à l'université, on s'est concentré sur trois pays, le Nicaragua, le Congo et l'Inde. Pourquoi ces trois pays? Parce que ces trois pays avaient aussi des missions des pères jésuites et on a invité les étudiants de l'université pour avoir un voyage d'expérience dans ces trois pays-là où vous pouvez loger dans ces missions, là-bas pendant 6 semaines à 9 semaines. Entre-temps, notre université, pendant ces 5-6 années, a reçu quand même aussi beaucoup d'étudiants d'origine marocaine. Et la fondation universitaire a dit pourquoi pas aussi se focaliser sur le Maroc, parce que d'abord, il y a une communauté marocaine à la ville d'Anvers de plus de 50 000 habitants, ce qui n'est pas peu, sur 480 000 anversois, c'est beaucoup. On les nomme les Maghrébins, mais la majorité sont des Marocains, surtout parce qu'il n'y a que 500, 700 Tunisiens et peut-être seulement 100 ou 200 Algériens chez nous à Anvers. Alors la majorité, ce sont des Marocains. Et les étudiants, heureusement, parce qu'on devait attendre beaucoup d'années pour que les premières étudiants d'origine marocaine entrent dans l'université et dans les écoles supérieures à Anvers. On s'est intéressé aussi à l'oriental du Maroc. Pourquoi l'oriental? Parce que la majorité des Marocains à Anvers et en Flandre vient surtout de la région de l'oriental. Si vous allez dans le district de Borgerhout ou le district de Hoboken à Anvers, vous allez seulement entendre le Tamazight. Parce que la plupart vient de Birken, de Nador, de Fossiman, de Driouche, de Midar, quelques Oujdi et quelques Tangérois. Tandis que j'ai quand même constaté qu'à Bruxelles et en Wallonie, la communauté est vraiment plus mixte. Pourquoi? Parce que chez nous, c'était surtout la première génération qui sont venues du rural, tandis que Bruxelles et la Wallonie ont reçu quand même aussi beaucoup d'intellectuels marocains, surtout à Bruxelles, dans les universités francophones, où il y avait aussi des Casablancais, des Tangérois, etc. Tandis que chez nous, en Flandre, je trouve qu'on a eu peu d'intellectuels dans nos universités. Pourquoi? Parce qu'en Flandre, on donne des cours en flamand, tandis qu'en Bruxelles et Wallonie, la langue française facilite quand même pour les Marocains du Maroc de venir faire leurs études ici. Alors, le Maroc, l'oriental et l'université, et ça fait qu'on a conclu une convention il y a 5-6 ans aussi avec l'université Mohamed Ier à Oujda. Parce que c'est l'oriental et on voulait aussi collaborer avec une université là-bas aussi. Et pendant ces 6 ans entre-temps, on a donné surtout des cours, le professeur coordinateur de notre institut, dans la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. En Maroc, c'est tout à fait autre chose qu'ici chez nous. Et là, le prof qui est sociologue a donné les méthodes sociologiques et la sociologie,
tandis que moi, j'ai donné aux juristes dans le master et aux économistes introduction au droit européen, ce qui est quand même très très important ces jours-ci, maintenant que le Maroc est devenu aussi un partenaire privilégié de l'Union européenne. Entre-temps, il y a 2 ans, on a aussi fait une convention avec l'université d'Abdelmalek Saadi à Tanger, Larache et Tétouan. Et cette convention est plus spécifique, tandis que la convention avec Oujda est plus générale dans toutes les facultés. La convention avec Abdelmalek Saadi, c'est surtout sur tout ce qui est portuaire et tout ce qui est logistique. Parce que il y a un grand port à Tanger entre-temps, il y a un grand port à Anvers depuis longtemps. Alors, et dans notre université, il y a beaucoup de spécialistes de tout ce qui est portuaire et de tout ce qui est logistique. Et il y a un an, on a eu une convention avec la coopération technique belge d'à peu près 200-300 000 euros pour justement former les cadres de Tangermet et les professeurs d'Abdelmalek Saadi qui se concentrent sur tout ce qui est le portuaire, le maritime et le logistique. Après ça, notre convention avec Oujda a été élargie il y a un an, dans le sens que, avec le financement de la ville d'Anvers et de notre université, on a pu créer à Oujda un département de sociologie. Au mois de mai, le professeur et moi, on est allés à Oujda pour donner à ce premier bachelor, il y avait 20 étudiants qui avaient été sélectionnés pour commencer ce bachelor, les institutions sociales pour le prof, et moi je donnais les institutions politiques, surtout maintenant qu'avec nos débats communautaires, on pouvait aussi s'attacher aux débats régionalistes qui se retrouvent au Maroc. C'était très très intéressant de faire la comparaison avec les étudiants entre les institutions au Maroc et les institutions ici en Belgique et en Europe. Pourquoi les sociologues? Parce que la région de l'Oriental, ceux qui visitent cette région un petit peu globalement, Berkane, Nador, et Oujda, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'évolution, qu'il y a une certaine dynamique qui se trouve dans la région. Et on va maintenant quand même 2-3 fois par an au Maroc, dans la région, pour donner des cours, mais aussi pour aider la diaspora qui se retrouve ici en Vers en Flandre, de mettre des projets là-bas dans l'Oriental. Je reviendrai là-dessus. Bon, pour le travail universitaire, l'université d'Oujda est très très intéressée aussi d'élargir cette collaboration aussi pour les autres facultés, parce qu'ils voient maintenant aussi qu'ils ont quand même besoin, pas seulement d'une approche paternaliste de nos professeurs vers eux, mais parce que pendant longtemps, on a quand même négligé beaucoup de cours, comme la philosophie, la sociologie, la psychologie, et maintenant, avec ce programme d'urgence du ministre de l'Éducation, on peut quand même entamer d'autres soutiens et élargir la collaboration en invitant les professeurs de Oujda ici, qui sont venus plusieurs fois, et d'envoyer nos professeurs de l'université et des écoles supérieures aussi à Oujda pour donner les cours aux étudiants. Je dois dire aussi que ce n'est pas du tout évident, comme aujourd'hui ici, je donne des cours en français, mais je trouve quand même, je dois reprocher beaucoup, que le français est vraiment très très négligé dans cette région pendant des années. Donc même les étudiants qui étaient sélectionnés de 19, 20 ans, 21 ans, c'était très très, très difficile quand même de leur donner des travaux pratiques, donner des papers, parce que le français n'était pas du tout évident pour les étudiants, parce que l'éducation a été toujours en arabe, surtout dans le droit. Je trouve ça très très dommage, parce que si on donne le droit international, le droit européen aux étudiants, il faut quand même connaître un petit peu plus que l'arabe pour avancer et pour avoir une carrière assez intéressante dans la vie à Oujda ou au Maroc dans sa globalité. Ceci pour tout ce qui est collaboration universitaire.
à côté de la collaboration universitaire et l'enseignement, on va entamer aussi l'année qui vient la recherche. On va essayer d'avoir des projets communs, surtout dans le domaine de la sociologie, parce que l'Oriental, avec son développement, a besoin des sociologues, a besoin aussi des travailleurs sociaux pour un petit peu accompagner cette dynamique et cet avancement. Et il y aura besoin quand même des gens qui vont soutenir aussi les ONG et toute la société civile pour que la région avance aussi de cette manière. À part de l'enseignement et de la recherche, l'Institut essaie aussi d'accompagner la diaspora qui s'intéresse au projet au Maroc. Et il y a pas mal d'organisations à Anvers qui s'intéressent dans leur région d'origine. Il y en a trois grandes à Anvers. C'est les organisations Imane, qui travaillent surtout dans la région de Kubdana ou la Daout. Je ne sais pas, je vais vous montrer ma carte. Si vous pouvez vous situer un petit peu dans la région de l'Oriental. Ça, c'est l'université, la faculté. Il y a deux organisations ici, oui. Mais c'est à côté de Nador, la région de Kibdana, c'est Oula Daout Belikitoun Talafraout. C'est à côté de Nador et plutôt plus proche des Caps de l'eau, si tout le monde peut se situer un petit peu sur la carte. Et par exemple, l'organisation Imane, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dans leur région. Ils ont créé pendant ces 10 ans une coopérative Al-Fatah, qui pendant ces 10 ans ont travaillé surtout dans tout ce qui est le miel et tout ce qui est l'huile d'olive. Et en 2009, on les a aidés avec un plus grand projet des Nations Unies, le PNUT, le Programme du Développement des Nations Unies, où on a eu un projet pour eux de 120 000 euros et avec lequel ils ont créé un projet d'aviculture. Est-ce que tout le monde sait ce qu'une ferme de poulet, un projet d'aviculture où ils vont commencer, parce qu'on a visité les hangars cette année-ci, ils vont commencer avec 15 000 poussins. Les poussins sont arrivés il y a trois semaines. Et la logique, c'est que chaque 7-8 semaines, il y a une autre génération de poussins. Ce sont des poulets de chair. Ils ont des contrats avec des grossistes à Belkane et à Saïdia. Et avec cet argent-là, ils peuvent réinvestir dans la coopérative. Ils peuvent donner de la viande plus bon marché à la communauté de 5000 habitants dans ces montagnes-là. Et en plus, ils peuvent aussi mettre l'argent qu'ils vont gagner avec dans d'autres projets comme l'alphabétisation de la femme et aussi ajouter quand même quelques instruments pour le dispensaire qui se trouve aussi dans cette région-là. Ce sont deux organisations qui travaillent dans Kibdana. Avec la ville d'Anvers, on a eu aussi pour chaque année maintenant 20 000 euros pour chaque organisation pour faire des projets dans cette région-là, dans tout ce qui est formation des formateurs, tout ce qui est la santé, les dispensaires et tout ce qui est femmes, alphabétisation des femmes. C'est peut-être pas grand-chose, 20 000 euros pour chaque organisation chaque année, mais c'est quand même quelque chose avec quoi ils peuvent quand même entamer des projets. Et si les autorités locales peuvent ajouter aussi quelque chose, on peut quand même venir à un certain développement de toutes ces petites régions de la région de l'Oriental. La troisième organisation s'appelle Ibn Sina. Ils se trouvent, je ne sais pas si j'ai de la carte, mais eux, ils travaillent surtout dans la région de Afsou. C'est Nador, mais vraiment dans la montagne, Afsou, où il y a une communauté aussi très très pauvre. Et là, ils ont créé un dispensaire
Et cette fois-ci, ils veulent aussi construire avec l'argent de la ville une crèche pour que les mamans viennent avec leurs enfants pour s'alphabétiser en même temps, parce qu'à côté, on a construit une école primaire et on veut quand même que les mamans soient aussi alphabétisées en même temps que les enfants, comme ça, ils comprennent au moins ce que c'est, parce que ce sont des femmes qui viennent d'ici et de là-bas de la montagne. Et s'ils sont concentrés au centre, à côté de cette école communale, ils peuvent quand même aussi évoluer avec leurs enfants du point de vue d'alphabétisation. Ça, c'est pour mon engagement dans la politique et dans l'université. Vous vous rappelez ou vous ne rappelez pas, mais M. Hameul, le ministre pour les Marocains à l'étranger, il a créé l'année dernière le network, le réseau marocain.be. Je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve à Bruxelles, mais en Flandre, on a créé un petit peu notre propre filiale à Anvers avec un institut Ibn Khaldoun, avec surtout des scientifiques, parce qu'on veut être la commission scientifique de ce marocain.be. Et cette année-ci, pendant notre visite à Oujda, au mois de mai, on a quand même réussi, avec beaucoup de succès, j'ose dire, à organiser notre première conférence avec quatre thèmes. Leadership dans la région de l'Oriental, la médecine, pour approcher la faculté de médecine d'Oujda à la faculté de médecine de notre université, et les médecins marocains qui se trouvent en Flandre et à Anvers. Puis il y avait les énergies renouvelables. Comme vous savez tous, la région de l'Oriental va devenir la région la plus propre du Maroc, parce qu'on va mettre là-bas les éoliens, tout ce qui est biomasse, tout ce qui est solaire. Il y a beaucoup d'entreprises allemandes et bientôt aussi des entreprises belgo-flamandes, parce qu'on a invité quelques spécialistes pour aller investir dans cette région. Et puis troisièmement, tout ce qui est logistique, parce que vous savez aussi que bientôt le port de Nador sera aussi agrandi, à Nador Westmet, ce sera un très grand port qui sera de la même envergure que Tangemet. Et là, on veut appliquer avec le centre de formation du port d'Anvers, avec la coopération technique belge, avec l'université d'Anvers aussi, une collaboration pour que des spécialistes qui vont travailler dans le port peuvent aussi se former ici à Anvers, dans notre port et dans notre université. Voilà, en un nutshell, ce qu'on fait un petit peu dans la région de l'Oriental avec la diaspora et du point de vue de migration et développement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Talhaoui. Avant que je passe à la deuxième intervenante, juste une question, Madame Talhaoui, par rapport au projet que vous faites. Est-ce que juste vous faites des projets avec les institutions officielles, ou bien aussi vous avez des relations avec la société civile? Oui. Est-ce qu'il y a une collaboration avec la population sur place? Est-ce qu'il y a comment vous faites vos projets par rapport aux besoins de la population? On essaie de collaborer avec la diaspora marocaine en Flandre, qui ont des projets justement dans leur région d'origine. Et quand je parle de la coopérative, il y a beaucoup de coopératives maintenant au Maroc. Ces organisations ont soutenu ces coopératives, ont bâti aussi des petites écoles dans ces régions rurales très très lointaines. Et on peut rien, vous savez très bien, on ne peut rien faire au Maroc sans aussi consulter les autorités, et surtout les autorités locales, ils doivent savoir tout, même si on voulait visiter quelques écoles, alors tu dois envoyer 7 ou 8 fax au délégué à Nador pour que tu peux visiter avec, avec les institutions ici, les écoles d'ici. Les enseignants, les professeurs d'ici, il faut toujours 5 ou 6 permissions. Je me demande, au mois de fin septembre, début octobre, on va inviter le ministre Pascal Smet, notre ministre de l'Éducation. Il s'intéresse d'aller aussi dans la région de l'Oriental et avec notre recteur de l'Université d'Anvers, parce que notre recteur n'a pas encore visité l'Oriental. Le recteur de Oujda est venu, je crois, 7 ou 8 fois ici à Anvers.
Je me demande combien de permissions on aura besoin pour qu'un ministre peut entrer, un ministre flamand, belgo-flamand, peut entrer au Maroc. Mais en tout cas, on travaille aussi avec les gens. Ces projets qu'on entame avec la diaspora ici, c'est pour les gens à Kirdana, à Afso, à Nador, etc. Ok, je vous remercie beaucoup, Monsieur Croix. On passe directement à Madame Saïdi Tamimout. Donc, comme vous savez très bien, Tamimout Saïdi, il est ichbouni de l'intégration sociale, de la prévention et de la solidarité à la commune de Skardek. Et Madame Saïdi a investi beaucoup dans des projets de développement avec la commune d'Al-Hassima. Nous aimerons savoir ensemble où on est par rapport à ces projets. L'évolution de ces projets et est-ce qu'ils ont aussi des évaluations par rapport à ce qu'ils ont réalisé sur place. À vous la parole, Madame Saïd. Merci. Salam alaikum. Azoul, bonsoir. Donc, effectivement, d'abord, qui je suis peut-être un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis aussi issue de l'immigration marocaine. Donc, mes parents sont arrivés dans les années 65. Nous sommes arrivés en 66, donc à Skardek, et je n'ai pas quitté le territoire de Skardek, donc ça fait plus de 40 ans que je vis à Skardek. Souvent, quand on s'adresse à des partis d'extrême droite qui demandent de vrais Skardekois, ben, je leur dis que je suis parfois beaucoup plus vrai Skardekois que d'autres. Donc, voilà. Donc je suis échevine depuis 2001, et quand nous sommes arrivés en majorité à Skardek, donc les écologistes, le Parti Socialiste, plus le MR, qui était quand même plus important, nous avions découvert dans les dossiers un jumelage de la commune de Skardek, le seul d'ailleurs, avec une ville qui s'appelle Prairie Village aux États-Unis. Alors, le passé de Skardek est un passé pas très joli, puisque c'est la gestion par Roger Knowles, que j'ai bien connu en tant qu'adolescente, un bourgmestre d'extrême droite qui a clairement annoncé sa politique de dénigrement et de racisme. Et donc, effectivement, pour la majorité qui est arrivée en 2001, il fallait absolument briser cette histoire noire du passé. Et je pense que pour toute société démocratique, pour aller de l'avant, il faut savoir reconnaître ses erreurs et de mettre en place des choses positives avec les populations, notamment qui ont été blessées par les politiques du passé. Et c'est ainsi que nous avons, j'ai donc la charge dans mes compétences de la solidarité internationale, nous avons lancé un appel dans les pays du Sud, particulièrement dans le Maghreb. Le Maghreb, pourquoi ? 125 000 habitants à Skardek. Une bonne partie de sa population est issue d'immigration maghrébine et du Nord, particulièrement sur les 125 000. Je peux dire que grosso modo, il y a 25 à 30% de population issue d'immigration qui ont la nationalité ou qui sont encore de nationalité marocaine, ce qui est quand même un élément important. Et donc, quand nous avons lancé en 2002-2003 un appel aux communes du Nord du Maroc, la commune de Fessima a été effectivement très proactive et a répondu rapidement à notre invitation. Alors, la première démarche a été d'abord de nous rencontrer et d'établir un calendrier de travail. Quelles sont les thématiques que nous allions traiter ensemble? Des fonctionnaires de la commune de Fessima sont venus chez nous avec une série de doléances et nous avons fait la même chose. Et donc, il est apparu une priorité importante, c'était la gestion des déchets. Vous connaissez peut-être la ville de Fessima, qui est une ville magnifique en bordure de mer, mais il faut savoir que les déchets organiques étaient les plus importants et ils étaient déversés directement à la mer. Donc en tant qu'écologiste aussi, c'était quand même assez dramatique. Et nous avons découvert, et ça a été ma grande surprise, de voir des mouvements associatifs de défense de l'environnement. Et donc nous avons mis en place effectivement un premier travail. Alors ce qui était aussi intéressant dans cette démarche-là, c'était par rapport aux fonctionnaires communaux skardekois qui avaient une vision négative de la population maghrébine de la commune et qui parfois avaient des propos assez réducteurs. Et c'était intéressant d'envoyer les responsables des départements skardekois sur le terrain pour voir un petit peu cette population, d'où vient-il, quelle est l'origine. Et ça a été vraiment très intéressant. Pour la petite histoire, le responsable du service Espace Vert m'a dit, Madame,
j'ai toujours voté Vlaams Belang parce que c'était comme ça, c'était dans ma famille, mais je vous assure que le voyage au Maroc et la rencontre avec la population m'a fait changer la vie parce que je sais maintenant aussi, je partage l'histoire aussi quelque part de ce pays. Et c'était pour moi quelque part, voilà, un défi de réussite, c'était de convaincre les fonctionnaires communaux, dirigeants d'un département, qu'il ne fallait pas s'arrêter au cliché, il fallait travailler d'avant. Et je vous assure qu'aujourd'hui, le partenariat a 8 ans, et c'est un partenariat qui est fort et qui est porté, pas par les politiques, mais par les administrations, les associations de terrain. Et ça, c'est le challenge, parce que faire de la politique, aller visiter, dire qu'il y a un ministre, dire qu'il y a un sénateur, dire qu'il y a un chauffeur, c'est bien, mais c'est pas ça qui fait avancer les choses, ce sont les travailleurs de terrain, ce sont les associations de terrain. Et donc, nous avons travaillé pour ce qui était la question de la gestion des déchets. À peine nous avions commencé notre travail par des composts de quartier où nous avons des maîtres composteurs à Skarbek assez spécialisés et donc il y avait un échange de savoir-faire que nous avons vécu. D'ailleurs, Mohamed Boudra, qui était président de la municipalité à l'époque, était chez nous à Skarbek quand il y a eu le séisme. Il était en route pour rentrer chez lui. Et donc à ce moment-là, nous avons été naturellement mobilisés. Et c'est là où je vous dis ma petite histoire s'est poursuivie parce que c'est le directeur du département Espace Vert qui est venu me trouver en me disant qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut amener une aide par rapport à ce qui se passe là-bas. Et c'est là où on s'est mis en place, Skarbek a été novatrice puisque nous avons servi de plateforme de coordination au niveau des communes bruxelloises qui ont participé à l'acheminement de l'aide sur le terrain. J'ai moi-même été sur place avec mon collègue Fouad Lassemi à l'époque pour voir un petit peu comment l'acheminement se faisait au niveau de l'aide et du soutien. Et donc, s'est posé la question, à ce moment-là, on a un peu réorienté nos priorités en disant on continue les composts de quartier, mais on est face à une urgence. Et là, on a mobilisé les pompiers de Bruxelles en disant tiens, est-ce qu'il n'y a pas un échange de savoir sur la gestion du plan d'urgence. Et donc, des pompiers de Bruxelles sont allés sur le terrain et il y a eu un échange de travail, de formation sur cette thématique-là. Je vais vous résumer, évidemment, 8 ans de travail en quelques lignes pour avoir le débat avec vous, mais c'est très riche, donc j'en suis désolée, je vais peut-être un peu raccourcir. Et donc, nous avons travaillé sur ce plan d'urgence pendant 2-3 ans où les fonctionnaires toujours et avec les associations de terrain. Alors, moi, ce qui était très important aussi, c'est au moment où il y a eu le séisme, j'ai vu une mobilisation bruxelloise forte. Nous avons eu, par exemple, les commerçants de la rue de Brabant. Quand ils bougent, ils bougent. Et ils se sont mobilisés en disant, ben voilà, nous avons des moyens, nous sommes la diaspora, mais comment est-ce qu'on peut acheminer des milliers de couvertures, de tentes et d'autres matériels. Et là, nous avons travaillé avec la Croix-Rouge et avec l'armée belge qui nous a aidés au niveau de l'acheminement. Et c'est là où on découvre effectivement cette richesse, peut-être voulue ou pas voulue, dans un premier temps de la migration forcée ou pas forcée, mais aujourd'hui, elle s'est structurée. Elle est là et elle compte une diaspora importante, une classe moyenne, émergente, importante, forte. Et comment est-ce qu'on peut construire une relation entre le pays d'origine et cette deuxième, troisième génération? Moi, je dis toujours que je suis une élue belge, parce que je connais bien les questions belges, je connais un peu moins bien, je reconnais les questions marocaines, mais si on peut servir de facilitateur dans une critique constructive, il faut le faire. Donc voilà, ça c'était... Et donc là, moi, j'ai vu une mobilisation tout à fait intéressante. Nous avons travaillé 3 ans avec les pompiers, et puis les choses ont évolué tout doucement, positivement. Alors, nous sommes financés par la DGCD, donc c'est le fédéral, la Cour de coopération. Nous recevons un montant, mais nous mettons du personnel aussi à disposition pour ces projets. Ce qui fait à peu près, en moyenne, de 100 à 150 000 euros par an pour ce projet-là. Plusieurs autres projets sont arrivés naturellement sur la table. La formation des cadres, la formation de l'associatif, la création des maisons de quartier comme structure de participation et tout le réseau bibliothèque. Nous travaillons aujourd'hui sur ces phasages-là avec nos partenaires de FECEMA. Et donc, ils viennent nous voir, nous allons les voir, nous critiquons nos projets et nous voyons un petit peu quelle est la formule qui convient le mieux, parce que recopier un projet, ce n'est absolument pas la bonne formule, d'autant plus qu'ils nous apprennent énormément, parfois sur nous-mêmes, ici en Belgique.
Donc voilà un petit peu, donc je dirais, un, la gestion des déchets a été la première thématique, le plan d'urgence, et puis toute l'action sociale à partir des maisons de quartier. Et là, ils sont déjà en cours de construction, et toute l'informatisation des maisons de quartier est en cours aujourd'hui à Alfacema à travers ce projet porté par les administrations et par les associations. Et j'ai encore régulièrement des demandes de citoyens scarbécois en disant, bon, on voudrait outiller le village un tel par la, soit la rénovation ou la reconstruction d'une école, on voudrait fournir des cartables pour X enfants de ce village, et donc là on met en place avec les associations scarbécoises et comme écoliers du monde, et donc on dit comment est-ce qu'on peut construire, comment est-ce qu'on peut structurer les choses pour que la dynamique puisse rester intéressante, vivante et critique, et c'est le cas aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, Madame Saïdi. Vous avez entendu, il y a beaucoup de choses qui se font au Maroc et dans notre région. Mais malheureusement, on ne sait pas beaucoup comment les choses se font. Et c'est le moment, bien sûr, d'écouter les personnes de sources qui ont réalisé ces projets et essayons avec eux de travailler avec eux, de les soutenir et de discuter, de les critiquer aussi, bien sûr. C'est pourquoi on a invité à ce débat les différentes personnes et toutes les personnes concernées de ces projets de développement et aussi de migration et développement. Bien sûr, je passe à un troisième intervenant. C'est M. Abdelhamid Mouri, qui est coordinateur du Forum des droits de l'homme au nord du Maroc. Abdelhamid Mouri est arrivé à Bruxelles après la grande réussite du premier congrès des droits de l'homme au nord du Maroc, qui était tenu à Chaouen le 22-23-24 avril passé. Abdelhamid Mouri, il est là, vous êtes ici. Et vous avez bien sûr laissé le Maroc en plein mouvement, du mouvement des jeunes, des différentes forces démocratiques qui veulent un changement radical pour un État démocratique, un État où il y a la promotion et le respect des droits de l'homme. Pouvez-vous, M. Abdelhamid, nous parler de la place du Forum dans les grands changements qu'on connaît au Maroc actuellement. À vous la parole. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur Saïd. Également, merci pour l'assistance. Et merci pour madame Salhawi et ainsi que vous. Saïdi. C'est vrai que des accents un peu graves, je crois. Mais c'est pas grave. Je remercie tout le monde et je remercie essentiellement Mme Tahawi et Mme Saïdi pour les actions qu'ils mènent dans leur pays d'origine, essentiellement dans leur région, parce que c'est très important. Ils ont choisi Hassima, ils ont choisi Nata, peut-être Tétouan, peut-être Tanger, mais ils n'ont pas choisi Casablanca ou autre chose. Je ne suis pas contre, mais je suis pour cette appartenance positive. Quand on parle de régionalisation, on parle de l'appartenance, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des nationalistes. On est pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas une vision nationaliste pour l'ensemble de la société marocaine. Mais en même temps, on doit être fier de notre appartenance, même à notre devoir, à notre province, à notre... D'accord ? Parce que si, à travers le local, on peut travailler l'universel. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, c'est mon point de départ. Moi, je suis... Je dois me présenter tout d'abord, je crois. Le docteur Tedmoulé Abdouahab, gynécologue de carrière, obstétricien. Donc, je suis né à Sidi Qassem, donc c'est une province qui est dans la région centrale du Maroc.
originaire, mes parents sont originaires de l'Alciment. Bon, j'ai fait mes études primaires à Sidi Qassem, à Belkseri exactement. Donc, à Wadisbou, tête au contrat. Donc, également, j'ai fait mes études secondaires à l'Alciment, à l'Alciment. Et j'ai fait mes études universitaires à la faculté de médecine de Rabat et j'ai fait ma spécialisation également à la faculté de Rabat. Donc j'ai travaillé, j'ai exercé en tant que gynécologue obstétricien sur Rabat et j'ai exercé en tant que gynécologue obstétricien à l'Arrache et puis je me suis déplacé sur Tanger et actuellement je travaille comme profession de gynécologue obstétricien sur Tanger. Mais tout en sachant que je n'ai jamais travaillé à l'Alciment. D'accord. Mais c'est, j'appartiens, comme je viens de dire, parce que dès le départ de ma carrière, je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis un Marocain, mais en même temps, je dois retourner chez moi. Et chez moi, c'était la région du Nord. C'est normal. C'est un sentiment tout à fait normal parce que je me sens de la région du Nord. Et je me sens parce qu'il y a toute une culture qui est différente par rapport à la région centrale, aux régions centrales du Maroc. Et ça, c'est la pluralité que reconnaît le Maroc en général, parce que le Maroc est un pays qu'on doit voir dans sa diversité, dans sa pluralité. Et l'union du Maroc, c'est essentiellement, et la solidité du Maroc, et la richesse du Maroc, c'est dans sa pluralité. Donc le Maroc, il faut le voir au pluriel. Donc si jamais je dis que je suis fier de mon appartenance à la région du Nord du Maroc, c'est aussi je suis fier de mon appartenance à l'ensemble du Maroc, tout en reconnaissant ses diversités et ses spécificités régionales. Donc, l'idée, en général, comment est le forum de votre langue au nord du Maroc est né, ça c'est une question qui est très importante, qui vous souligner. Parce que chacun de nous, il essaye de rapprocher sa région à sa façon. Vous voyez un petit peu, Madame Sondi, et Madame Trahawi, ils sont à Bruxelles, ils sont à Anvers, mais en même temps, ils essayent de rapprocher leur région à travers des actions qui sont très pratiques, c'est bien, très techniques, c'est bien. Mais moi, j'habite à la région Nord du Maroc, et je dois aussi m'approcher de ma région, mais à travers un projet peut-être beaucoup plus global. Mais c'est normal. Donc, c'est parce que je réside là-bas, je vis les problèmes de la société là-bas, et je suis un citoyen marocain. À 100%, donc, comme ça. Donc je dois exercer dans ce sens. Donc pour nous, si jamais on voit un petit peu la région nord du Maroc en général, on voit que c'est une région qui a été marginalisée tout au long de l'histoire. D'accord ? C'est une région marginalisée historiquement. Peut-être que, pourquoi ? Parce que la région nord du Maroc, c'est une région qui a souffert tout au long de l'histoire, à travers peut-être pour son histoire qui est lourde par rapport au régime, c'est-à-dire. Comment l'État central voit la région nord du Maroc tout au long de son histoire. Parce que, donc, pourquoi on dit ça? C'est dans le sens que la région nord du Maroc a subi des atrocités qui sont très, très graves tout au long de l'histoire, à savoir que ce soit au cours des années 20, c'est-à-dire du siècle dernier, du 20e siècle, au cours du colonialisme espagnol, qui a exercé des atrocités qui sont flagrantes dans le cadre des violations du droit de l'homme collectif, à savoir l'usage du gaz toxique pour matraquer la rébellion et matraquer le mouvement de libération qui était mené à l'époque par le leader de la libération de la région du Nord et du Maroc en entier, Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi, et également à travers une autre période de l'histoire, c'est celle des années 50, surtout au cours des événements de l'Europe centrale en particulier, mais dans toute la région, c'est-à-dire les événements de violations graves qui ont été effectués au cours de l'indépendance et qui ont été effectués par l'État marocain, c'était pas l'État colonial, mais c'était l'État marocain, que ce soit par l'État marocain, c'est-à-dire à travers le chef de l'État à l'époque où le prince était le roi Hassan II, comme chef de l'armée royale à l'époque, ou bien à travers les milices des partis de l'Istiqlal à l'époque, surtout au cours des années 56, 57, 58. Donc, comme vous voyez, c'est une région qui avait beaucoup de spécificités historiques et qui avait un passé qui est lourd, et par conséquent, ce passé lui a fait subir, c'est-à-dire
Par conséquent, ce graphique subit une marginalisation historique par le régime central et par tous les régimes qui ont succédé et les gouvernements qui ont succédé dans le, c'est-à-dire au cours de l'histoire du Maroc. Donc, comme vous voyez, c'est une région, comme je viens de dire, qui a été marginalisée tout au long de son histoire. Donc, je vis dans cette région et je vois un petit peu les problèmes et les atrocités qui sont commises dans cette région. Je vois aussi les dossiers qui sont spécifiques de cette région et qui ont été négligés par, malheureusement, par les, beaucoup d'organisations, à savoir même les organisations qui travaillent dans les droits de l'homme et surtout les organisations à visée centraliste, c'est-à-dire comme les, quand on a beaucoup, on a l'AMDH, le MDH et beaucoup d'autres associations. Mais je crois que cette négligence de ces dossiers à travers ces associations, parce que quand on travaille, quand on voit les choses à travers une vision centrale, c'est pas comme si on est dans la région en elle-même, c'est-à-dire que les priorités changent. Quand on voit, quand je suis dans la région du Nord, je vois les choses, c'est-à-dire dans la région, je les vois autrement. Mais si je suis à Rabat, je vis à Rabat, je vois, j'analyse la situation au Maroc, je l'analyse à travers Rabat. Donc les priorités ne sont pas les mêmes. Donc si jamais j'ai des priorités dans la région du Nord, ce ne sont pas les mêmes priorités qu'on voit à Rabat. Donc c'est très important, ça. Donc c'est pour cela qu'on a opté, au fur et à mesure du temps, comment essayer de créer un organisme qui va s'intéresser à ces dossiers et donner la priorité à ces dossiers. Donc c'est pour cela qu'on a essayé de créer un forum, ce qu'on a appelé le Forum des droits de l'homme pour le Nord du Maroc. Et ce forum, c'était pas, on ne le voyait pas comme une ONG alternative à d'autres régions, à d'autres, c'est-à-dire ONG. Mais c'est une ONG complémentaire. C'était ça le plus important pour nous. C'est comment essayer, c'est-à-dire de donner un plus dans le cadre de la diversité que connaît le Maroc et de la diversité que connaissent ces régions et ces spécificités régionales, de donner un plus dans le domaine des droits de l'homme à travers la création d'un outil et d'une ONG qui va donner la priorité aux dossiers qui ont été méconnus et négligés par les ONG à concept centraliste. Donc, on est parti dans le sens de créer le Forum des droits de l'homme et par conséquent, effectivement, à travers des discussions qui ont été larges, menées large, c'est-à-dire largement, avec des collègues, à travers tout au long de la région du Nord du Maroc, même avec des collègues qui se trouvaient c'est-à-dire dans l'immigration, en Europe. Donc on a essayé de mener beaucoup de discussions dans ce sens et effectivement, on a créé le premier congrès constitutif du Forum des droits de l'homme, c'était en juin 2006. Et bon, quand on a créé ce forum, il y avait beaucoup de pourparlers, il y avait beaucoup de dire et de blabla, etc. Comme quoi, c'est une ONG, je ne sais pas quoi, pourquoi il a été créé, parce qu'il va créer une séparation dans le domaine des droits de l'homme, il va diviser le cadre des droits de l'homme au Maroc, il va. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de contraintes, il y avait beaucoup d'obstacles pour qu'il démarre. Parce que c'était vraiment pourquoi c'était parce que c'était basé sur des concepts et sur des nouvelles, c'est-à-dire un ensemble des idées qui étaient nouvelles au Maroc. Parce que tout le monde travaille et pensait central et tu viens et tu penses régional. Donc quand on parle autrement, donc ça c'est vraiment c'est le désastre parfois. Parce qu'on sort de ce qui est méthodique, de ce qu'on appelle Namati, comment on peut dire Namati, c'est-à-dire classique, méthodique. On vient de chambouler un petit peu les idées. Donc, tu ne penses pas, tu vas pas penser à mes affaires. C'est moi qui vais penser à mes affaires. C'est moi qui vais m'intéresser à mes affaires. Et chaque région doit penser à ses affaires. Donc, tu n'as pas l'autorisation de prendre la tutelle de mes affaires. C'est à moi de les prendre en charge. D'accord ? Chacun de nous doit prendre ses affaires en charge. De prendre ses affaires en main. D'accord ? Donc, on a dit, bon, c'est fini. Donc, on doit prendre nos affaires en main dans la région du Maroc. Et toutes les régions du Maroc doivent normalement aller dans ce sens. Parce qu'effectivement, si on parle de la région nord du Maroc comme région qui possède des
des dossiers qui sont spécifiques et qui sont négligés tout au long de l'histoire. Il y a d'autres régions au Maroc aussi que ne sont pas moins que la région du Nord, par exemple la région de l'Atlas, la région d'Oussous. Et il y a des régions qui sont vraiment très marginalisées au Maroc, comme vous le savez. Si jamais on sort de l'axe Rabat, Fès, c'est là Marrakech, c'est vraiment cette atrocité. C'est un Maroc du 19e siècle, du 18e siècle. Il y a des personnes, des villages qui sont vraiment qui sont, isolés, qui sont vraiment ni dispensaires, ni médecins, ni écoles. Mais c'est grave. C'est-à-dire que le Maroc, il faut le voir avec des vitesses différentes. Comme il y a une diversité, comme je viens de dire, et spécificités régionales qui sont importantes, il y a des vitesses vraiment de croissance qui sont importantes. On voit encore des régions qui vivent comme si on est au XVIIIe siècle. Quand on parle de la région de Anfko, Malinter, c'est vraiment, c'est comme on est dans le moyen de chauffage, etc. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien du tout. Les gens meurent par le froid, donc. Par le froid, ils n'ont même pas le droit, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit, il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit, il n'y a pas le droit, c'est grave, ça. Donc, il est temps que chaque région doit prendre son destin en main. Donc c'est comme ça qu'on a pensé dans le forum des droits de l'homme pour le nord du Maroc. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers spécifiques à la région nord du Maroc donc, sur lesquels il faut travailler et dans lesquels il faut agir, sur lesquels il faut agir. Donc l'idée et la philosophie de la constitution de la du Forum des droits de l'homme, basé essentiellement sur cette philosophie régionale. Donc c'était très important. Et dans ce sens, on a essayé également d'élargir cette discussion en Europe aussi, parce que du moment où pratiquement les deux tiers de la population ont immigré en Europe, ils sont issus de la région nord du Maroc, sur pratiquement 3 millions d'immigrés, je crois qu'il y a 2 millions qui sont issus de la région nord du Maroc. Mais malheureusement, les revenus, en devise et tout ça, il n'y a rien qui se fait dans la région nord du Maroc. Ces derniers temps, par exemple, je vais vous dire, ces derniers temps, on est en train de discuter ce qu'on appelle le TGV, le Nukta, c'est une anecdote. Le Maroc, c'est-à-dire vraiment, est-ce qu'il y a des TGV au Maroc hein? Hollandais, alors en 2010, ils ne voulaient pas faire le TGV. Je crois en 2011, ils devaient faire le TGV. Bien. Alors, tout en sachant que l'économie hollandaise, ce n'est pas l'économie marocaine. D'accord? Parce qu'il n'y a pas l'utilité économique. Je vois l'intérêt économique de faire le TGV en Hollande. D'accord? Alors qu'au Maroc, il n'y avait pas rendu le TGV. Parce que pourquoi? C'est agi bien. Et ça, c'est tout à fait contradictoire. Pour 11 milliards de dirhams, un projet de TGV pour transport de passagers. Bon, selon les normes internationales, normalement, pour 300 km, il doit payer, un passager doit payer 80-90 euros. D'accord. Il y a des très médecins, francs. Voilà, ça n'a pas pour les conditions de vie des personnes au Maroc, les passagers. Il faut voir qu'il y a de la train, c'est-à-dire un seul train, ou un travail de chemin de fer. Mais comment il y a des. Il y a des sacs forts, des sacs forts. D'accord. En même temps, quand on est au TGV, je vais me dire où. Avec 11 milliards de dirhams, il y a pas mal de choses, on peut faire pas mal de choses. On peut faire des choses énormes au Maroc avec 11 milliards de dirhams. On peut créer toute une infrastructure qui est très solide, un réseau routier qui est très important, que ce soit en chemin de fer. Des classes, le chemin de fer, le chemin de fer qui doit lier normalement sur 400 km de côte. Par exemple, à Fouad de Montel, sur 400 km de côte, tout au long de la région nord du Maroc, sur le long de la Méditerranée, il y a un mètre de chemin de fer. Un mètre. Il y a un kilomètre de route bien goudronnée. Un kilomètre n'existe pas. D'accord. On a droit à obtenir M. Oujad Rachidi au Balfoud. Mais c'est grave, ça. Au fond, je crois qu'il y a un TGV. Parce que, pourquoi ? C'est ça. Parce que, peut-être que l'économie, l'État français et le chemin de fer français, il est en crise. D'accord ? Donc, on doit soulager la crise de nos amis français, parce que c'est important. Quand on pense, quand on dit que vraiment le problème
au Maroc, c'est un problème qui est vraiment très, 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 très crucial. Ce n'est pas un problème superficiel, c'est un problème crucial. On rapporte, quand on revient au Maroc, on revient au début de l'indépendance. D'accord ? Quand on veut, c'est-à-dire décortiquer les problèmes au Maroc, on doit revenir sur le début de l'indépendance au Maroc. C'est là où il y avait des problèmes, c'est là où il y avait l'échec. Parce que c'est là où il n'y avait pas, c'est-à-dire la mise vraiment en rail, d'accord, de l'État, c'est-à-dire. C'est à, pourquoi? Parce que c'est vraiment, quand on parle de régionalisation, de spécificité régionale au Maroc, on parle exactement, surtout de la région nord du Maroc, et je parle de la région nord du Maroc, je parle d'une revendication, d'une réclamation historique de la région, des populations de la région du Maroc, c'est à savoir leur droit à l'autodétermination. Et ça, c'est une revendication historique. Mais quand je parle de le droit à l'autodétermination, je ne parle pas d'une façon, c'est-à-dire séparatiste, non. Mais je parle, c'est-à-dire en tant que région qui veut gérer ses affaires et prendre ses affaires en main. D'accord ? Dans le cadre de l'unité nationale, bien sûr. Et c'était ça les revendications historiques de cette région. Donc, quand on parle de ça, on devient comme si jamais on est des séparatistes. Bon, on le voit et on le regarde par un œil qui est vraiment, c'est-à-dire avec un œil qui n'est pas bien. Donc on est des séparatistes, on veut, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche, on a la tête chaude, je ne sais pas quoi, etc., etc. Et c'était ça, toujours les accusations historiques. Donc, pour nous, quand on parle également du Forum des droits de l'homme pour la région nord du Maroc, qui est basé et fondé sur ce concept de régionalisation, c'est-à-dire on parle aussi comment gérer, comment aller de l'État central à l'État régional. C'est ça le plus important. Donc notre projet, ce n'était pas seulement un projet pour répondre à la région nord du Maroc, mais un projet sociétal dans le sens de donner un exemple, c'est-à-dire comment transformer l'État marocain et d'aller d'un État central, purement central, c'est-à-dire qui a été hérité de la période coloniale française, c'est-à-dire l'État lyoté, et qui a été hérité par un groupe de nationalistes à l'époque, qui ont mené les porte-parole d'Aix-les-Bains, d'accord, et qui ont hérité cette indépendance. Et par la suite, ils ont constitué des lobbies, qui sont vraiment des lobbies économiques et politiques, et qui gèrent l'État jusqu'à présent, et qui gèrent la politique marocaine jusqu'à présent. Donc, ce sont des lobbies qui sont très forts et qui vont s'opposer à tout changement radical au Maroc, et surtout à tout changement qui va transformer l'État de l'État central à l'État régional. Donc, pour nous, toute transition démocratique au Maroc doit passer à travers c'est-à-dire ce passage de l'État central à l'État régional. Et l'État régional, c'est un État qui garantit ce droit essentiellement à l'autodétermination des régions historiques, y compris la région nord du Maroc. Donc, jusqu'à quel point, peut-être, la constitution actuelle et la discussion actuelle au Maroc a pu exactement répondre à cela. Donc ça, c'est important aussi. Quand on revoit un petit peu les discussions actuellement politiques sur le plan constitutionnel au Maroc, et d'après le dernier texte qui a été exposé, de la Constitution, on trouve que vraiment il n'y a rien, pas de changement, grand chose par rapport aux revendications du Forum des droits de l'homme. Parce que quand on demande comment, c'est-à-dire que l'accès principal à la démocratie, à la transition démocratique, se fait à travers ce passage de l'État central à l'État régional, y compris, c'est-à-dire une répartition des richesses entre l'État, c'est-à-dire entre la région, entre le central et les régions, et en même temps la répartition des pouvoirs. La Constitution actuelle n'a pas pu répondre sur ce point. Au contraire, il a conservé l'État central comme il est. Et surtout, si on revient sur le projet qui a été prononcé par M. Azimel sur la régionalisation avancée, mais il n'y a pas de régionalisation avancée, c'est une régionalisation administrative, pure et simple. Quand on voit le texte, il n'y a pas de régionalisation avancée. Parce que parfois, on joue sur les termes, mais il n'y a pas. Mais le contenu, il n'y a rien. C'est une régionalisation administrative, au contraire, c'est une recentralisation de l'État. Comme
a fait, par exemple, la monarchie avec l'article 19, surtout dans ce dernier texte. Il a recentralisé l'article 19, il a reformulé l'article 19 à travers d'autres articles. Au début, c'était la première constitution, c'était l'article 19, mais actuellement, c'est l'article 40, jusqu'à l'article 59. Donc, c'est une recentralisation du pouvoir aussi bien dans, entre les mains de la monarchie, mais en même temps, c'est une recentralisation de l'État, tout en reconnaissant que le Maroc, c'est un État régional. Mais ce n'est pas un État régional, c'est une régionalisation administrative. Donc, c'est une recentralisation de l'État, tout en conservant les intérêts des lobbies centrales, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Donc, pour nous, la Constitution actuelle n'a pas répondu, c'est-à-dire aux attentes du Forum des droits de l'homme, il n'a pas répondu aux attentes de la population marocaine en général, et surtout, il n'a pas répondu aux attentes de, même du mouvement du 20 février, surtout le mouvement du 20 février, qui œuvre dans la région du Maroc, et qui se trouve avec, exactement, avec des revendications et des réclamations qui sont spécifiques à la région nord du Maroc, et ça c'est important aussi à souligner. C'est-à-dire même le mouvement du 20 février, c'est pas un mouvement qui est homogène, mais actuellement on voit pas mal de revendications et de réclamations qui sont beaucoup plus spécifiques à, aux régions dans lesquelles elle travaille, ce mouvement. C'est-à-dire qu'on voit que le mouvement du 20 février peut-être est fort dans quelques régions, alors qu'il est faible dans d'autres régions, avec des spécificités régionales et des réclamations régionales. C'est-à-dire qu'il est temps que chaque région doit avoir ses élites. Il est presque le temps de rompre avec ce qu'on appelle l'élite centrale. Et que l'élite centrale doit réclamer, c'est-à-dire doit avoir tous les droits, alors que l'élite régionale doit être marginalisée. Et le temps de rompre avec ce genre de culture, et le temps de donner à ces élites régionaux, c'est-à-dire leur part dans la contribution pour le bien-être des populations maroc et le bien-être de leur région, et également de la gestion de leurs affaires, comme il faut. Et merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, vous avez cité 4 fois, je crois, le mot des dossiers spécifiques de la région du Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces dossiers? Je peux demander aussi une question préliminaire quand vous dites la région du Nord, c'est pas l'Oriental, c'est Tanger, Tétouan-Larache. Qu'est-ce que vous voulez dire par le forum du Nord? Parce que... Allez, moi je pense en région, surtout parce qu'on est dans l'Oriental et vous parlez de la région du Nord. La région nord du Maroc, pour nous, dans le Forum des droits de l'homme, c'est défini comme suit, sur le plan territorial. C'est de la vallée de Loukous, d'accord, de l'Occident, c'est-à-dire de la vallée de Loukous, à l'Arache, jusqu'à la vallée de Mlouya, d'accord, dans l'Oriental. Et au-dessous, c'est-à-dire dans le sud, c'est vers le Ouadouara. Ouadouara, c'est pratiquement entre Fès et Taounat, d'accord. Donc c'est et la Méditerranée au nord. Donc c'est ça la région, c'est ce qu'on appelle la région historique du Grand Rift, ce qu'on appelle le Grand Rift. Donc c'est ça là, sur le plan appellation géographique, c'est-à-dire détermination géographique, voilà. C'est le Rift géographique et c'est le Rift historique. D'accord. Ça, c'est un point. Deuxièmement, c'est concernant les dossiers. Quand on parle de dossiers spécifiques, bon, les dossiers spécifiques, ils sont plusieurs, d'accord. Donc, quand on parle de dossiers spécifiques comme a souligné M. Amrani, donc on parle, par exemple, pour nous, dans le Forum des droits de l'homme, on a essayé, dès le départ, on a dit qu'on croit, on n'est pas une alternative. C'est-à-dire, on n'est pas une alternative par rapport aux autres ONG qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme, mais on est un complément, d'accord, dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on doit œuvrer et travailler sur des dossiers. C'est pas seulement sur le dossier première génération des droits de l'homme, c'est-à-dire les conventions des droits de l'homme première génération, non, les droits civils et politiques, etc. Mais c'est la troisième génération, deuxième et troisième génération, les droits culturels, les droits à l'histoire, les droits sociaux, les droits économiques. Donc c'est ça, le droit au développement, le droit à une écologie saine, d'accord, le droit à la paix, le droit. Donc ce sont les droits dans l'heure, c'est-à-dire universalité. En même temps, c'est pas seulement des droits très spéciaux et des droits de la première génération en rapport avec les droits civils et politiques.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur ce genre de droit, mais on travaille sur ces droits. En plus de ça, on doit travailler sur d'autres dossiers, c'est-à-dire de droits collectifs. D'accord. Par exemple, la mémoire, l'histoire, les gaz toxiques, l'usage des gaz toxiques par les forces coloniales, par exemple, la participation forcée des jeunes, des militants dans la guerre civile espagnole. D'accord. Donc, les événements, les atrocités, les violations graves des droits de l'homme au cours des années 50 et des années 60 dans la région nord du Maroc, les violations et les atrocités commises sur le plan économique, la marginalisation historique de la région nord du Maroc, le droit au développement. Donc, tout ça, c'est revoir l'histoire et relire l'histoire de telle sorte à ce que découvrir la vérité, c'est-à-dire éclaircir la vérité de notre histoire et relire cette histoire et réécrire cette histoire. Donc ça, c'est, tout ça, ce sont des droits au bien collectif, au droit individuel, mais ce sont des droits qui sont spécifiques à la région nord du Maroc, sur lesquels on doit travailler et sur lesquels on doit faire des recherches, etc., etc., pour le bien-être de la population de la région du nord du Maroc et pour renforcer cette notion d'appartenance aussi à la région nord du Maroc et en même temps son rattachement à notre région pour le bien-être, au bien, bien sûr, de la population du nord du Maroc, mais aussi de la population du Maroc en général, du moment qu'on voit le Maroc dans sa pluralité et non pas dans le. N'est pas calquée, la population du Maroc n'est pas calquée. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas d'un seul œil. Il faut la voir avec, dans sa diversité et dans sa pluralité. Donc on est dit Marocain, mais on est, en même temps, on est fier de nos spécificités culturelles, linguistiques, régionales. Et merci. Merci Adam. Voilà, donc je crois que vous avez quelque chose à dire vous aussi. On va passer à la salle. On va mettre une première liste. Et après, on verra comment distribuer le temps que nous avons à tout le monde. Donc, je commence par... il y a un monsieur qui a levé la main le premier. Donc, vous êtes... Mouali. Mouali, Mouali. Khtabi. Vek. Moutalo. Ramsis. Bopsi. Mohamed. Qu'est-ce que tu as dit? Midouche. Khtabi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On s'arrête ici. Et la dernière, et après on s'arrête. Monsieur ? Mohamed Esh. Boulousa. Ashra. Je vous donne 2 minutes pour chacun. Donc on commence par...